never be the same again. I can never return, I've closed the door. I will walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters, I can never. Reconnaissance ce matin de nos acteurs médico-sociaux, le bon samaritain. Nous savons que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Il t'a plu ce jour d'aujourd'hui de bénir ce centre à travers l'institution et la structure IMDA, de lui apporter tout ce matériel qui doit servir à son bon fonctionnement. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie. Nous voulons te rendre toute la gloire et te rendre toute la grâce. Le pasteur Roger Abba Sambou. Monsieur l'inspecteur de la jeunesse, monsieur le directeur régional du développement communautaire, monsieur le président régional du handicap Jigensho, monsieur le coordinateur du projet IMCA, monsieur le représentant de handicap international, révérend pasteur, chers frères, chers frères et sœurs en Christ, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit ici ce matin revêt d'une très forte importance pour notre centre. African Revival Ministry, des bonnes volontés, des mécènes et de l'Église. Qui nous réunit aujourd'hui revêt tout son sens. En effet, elle consacre une première. En effet, il s'agit d'un partenaire stratégique qui vient de se nouer avec l'ONG IMCA et le Bon Samaritain. Participation des jeunes confrères éducateurs au nombre de 15 et d'agents de plaidoyer au nombre de 66. 2. L'implication des professionnels de la santé et de la justice. 3. Le réseautage pour une meilleure synergie des actions. 4. Le plaidoyer autour des décideurs. Une des actions pour relever le défi de la prise en charge, de qualité et de la convivialité des services de santé pour les jeunes porte sur l'appui matériel et financier à une structure de santé partenaire dans chacune des 3 régions de mise en œuvre du projet. Cette dernière constitue le centre de référence de la prise en charge sanitaire des jeunes vulnérables et marginalisés. À Jigensho, le choix est porté sur le centre médico-social Le Bon Samaritain. En relevant le plateau médical du centre médico-social Le Bon Samaritain, à travers l'octroi de matériel médical d'une valeur de 6 500 francs CFA, 500 000 francs CFA, IMCA exprime sa volonté manifeste de contribuer à la réalisation de l'ambition de l'État à offrir une couverture sanitaire universelle sans discrimination aucune. Notre ONG de jeunesse souhaite un partenaire privilégié pour toute structure et institution soucieuse du bien-être de tous les jeunes, en particulier des jeunes vulnérables et marginalisés. Permettez-moi, mesdames et messieurs, honorables invités, de dire un grand merci aux autorités administratives et médicales, ainsi qu'aux chefs de services décentralisés et déconcentrés de l'État de la région de Jigensho, qui nous ont accompagnés depuis le début et qui facilitent la mise en œuvre du projet Agir et Vivre
à Bigenchor. Nous réaffirmons ainsi notre engagement à travailler à vos côtés pour répondre aux besoins et aux préoccupations des jeunes de notre chère région. Merci de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président de l'Union régionale. Donc, nous allons accueillir Monsieur le chef du service régional communautaire, Monsieur l'inspecteur de la jeunesse, Monsieur le représentant de Handicap International, Monsieur le directeur de l'ARM, Monsieur le chef de poste du Bon Samaritain, Monsieur le coordinateur régional de IMCA, Révérend Pasteur, personnel du Bon Samaritain de Ziguinchor. Je demanderai votre indulgence car pris au dépourvu tout à l'heure pour, comme on dit, de parler au nom du maire, n'ayant pas préparé le discours, permettez-moi donc de parler avec le cœur. Et vous excuserez quelquefois si ma langue couche, ce sera peut-être parce que étreint par l'émotion. Ce dont nous assistons aujourd'hui doit être un exemple qui doit servir à tout un peuple pour comprendre que la douleur partout elle est doit être combattue par les hommes de bon sens et des hommes de valeur. Que regorge cet organisme appelé IMCA. Tout de suite, en regardant le sigle, j'ai vu éduquer, former et servir. Combien cette trilogie peut nous rappeler à nous tous nos devoirs élémentaires. Construire d'abord l'homme en l'éduquant. Le consolider en le formant et lui demander de servir en ouvrant ses branches et ses occupations aux autres pour que le monde puisse vivre en harmonie. IMCA donc, dans l'action d'aujourd'hui, n'a fait que magnifier cette trilogie que nous venons de voir sur leur affiche. Mais cette magnifiance s'est adressée aux bons samaritains. Quand nous étions à l'école élémentaire, quand on parlait de bons samaritains, on sentait que c'était leur don. 6 millions. Mais si on regarde la liste du matériel qui est donné, cette liste n'a pas de prix. Ce qui est encore important, c'est la petite seringue que l'on amène pour qu'on pique l'enfant. Ce qui est important, c'est le plus petit comprimé d'aspirine que l'on donne pour soulager vos maux de tête. Ce qui est important, c'est la goutte d'alcool qu'on met dans une blessure pour un pansement. Ce qui est important, c'est cette petite bande de sparadrap que l'on met sur une blessure. Dites-moi que ça coûte seulement 25 francs, mais ça nous sauve du tétanos. Le son que ça nous permet de garder la vie. Qu'est-ce que la vie va nous souhaiter que ces actes soient perpétués et que nous ayons plusieurs fois à remercier le bon donateur et que vous soyez nos interprètes auprès de vous, auprès de ceux aussi qui vous êtes, pour leur dire que la Casamance, debout et stoïque, qui n'a rien demandé à qui que ce soit, aujourd'hui reçoit avec fierté ce don. Je ne le dirai pas à monsieur, mais tonton, le chef du service régional du développement communautaire, parce que c'est un droit. Monsieur le représentant de l'ARM, monsieur le responsable de l'IMCA Ziguinchor, monsieur le directeur de cabinet de la mairie de Ziguinchor, en général, donc, il travaille aussi pour le secteur de la jeunesse. Et jeunesse qui a été adoptée en 2005, qui voudrait que les jeunes s'engagent dans des actions de développement communautaire, mais aussi pour la recherche de la paix et la joie dans leur communauté. Et joie ne pourrait être plus grand que de retrouver la santé. Et en contribuant à faire retrouver la santé, à contribuer par ricochet à l'atteinte de nos objectifs. Et aussi, comme l'a dit le responsable, de contribuer à aider les jeunes pour leur développement, mais aussi en insistant sur le volet sanitaire. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cet acte. Et je suis là pour représenter le médecin-chef et également le gouverneur absent. Mais en fait, celui qui devait le faire, c'était bien lui
Monsieur Gay, c'est en fait, vous savez, l'administration a ses règles, a son protocole. Donc c'est un problème interne, c'est un problème de jeunesse. Mais étant très poli et correct, il m'a dit non, tu ne peux pas parler devant mon grand frère. Et c'est clair. Ça, je l'en remercie beaucoup. Vous posez le problème à la région médicale, vous n'y croyez pas. Mm-hmm. Quand vous posez le problème de ce projet au niveau du conseil régional, vous n'y croyez pas. Mais vous avez rendu pratique, en tout cas, votre projet. Je vous remercie. Je vous félicite aussi. Monsieur le secrétaire exécutif régional de IMCA, qui vient d'arriver, mais qui m'a donné très bonnes impressions. C'est quelqu'un de très dynamique. Quelqu'un qui veut aller vers les autres. Et ça fait tous les jours, pratiquement, il est dans mon bureau pour me demander mon avis. Je vous félicite. Je vous félicite, c'est un mancaille, pas de la casemate, mais de caisse. Non. Allez, aux associations de s'enrichir, on me demande d'éduquer, de former et de servir. Et j'ai vu que ça fait partie de vos credos. Et je vous encourage en cela. Parce que tout simplement, j'ai eu à vous accompagner et je l'ai dit une fois. Pourquoi ? IMCA. Parce que celui-là qui m'a aidé dans le cadre de ma formation d'inspecteur, c'était parmi les premiers percussions de IMCA, Mansour Mbaye, à Dakar. Il m'a fait aimer IMCA à la province. Et je suis revenu à l'Union Générale. Et j'ai retrouvé IMCA, une structure très dynamique, une structure jeune qui s'engage. Et nous avons travaillé beaucoup ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la région, monsieur l'inspecteur. C'est un peu qu'on l'a pas, c'est un peu modeste. L'enlisement des enfants à la naissance, c'est eux qui ont découvert ce phénomène-là dans la région. On l'a poursuivi et on l'a fait accompagner par l'UNICEF. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très très intéressant parmi d'autres actions. Et j'avoue que aujourd'hui, l'a dit le doyen, le docteur de cabinet du maire, moi je dirais 1 milliard. Comme il l'a dit, hein, vous savez, la santé, il n'y a pas de prix. Et quand j'ai vu la liste du matériel et tout ça, j'ai vu aussi le cœur, l'engagement de IMCA à aider le bon samaritain, que j'encourage fortement. Le bon samaritain, moi personnellement, c'est vrai, c'est une faute à moi, je ne savais pas votre existence. Même si par ailleurs, quelque part vous dépendez un peu de moi en tant que structure associative ou d'organisation. Mais c'était moi qui devais venir chercher et savoir. Mais je viendrai à vous et je vous inviterai et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Et je me porte aujourd'hui comme votre porte-parole au niveau de... Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. There are higher heights, there are deeper seas. Whatever you need to do, Lord, do in me. The glory of God fills my Ton ami secrétaire, il est là.
Que les enfants leur donnent des cadeaux. Comme la directrice de communauté le disait, sont des gestes plus petits, mais avec un sens énorme, qui marque la vie, qui marque la vie. Ne négligeons pas ces choses. Moi, je pense que aussi c'est une chose parmi ce processus d'ouverture très importante. C'est pour cela que je vous invite à tous de prendre la mesure de l'importance de cet acte. Ce sera petit, mais c'est très important. Tout ce qu'on fait pour les enfants, c'est important. Donc faisons attention à ce qu'on fait aux enfants. Que ce soit une bonne action, une mauvaise action, c'est toujours marquant. Donc nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'âgés, dans nos politiques, dans nos propos, dans nos actions, tenons compte qu'il y a les enfants qui sont parmi nous et que nous éduquons pour que demain ils prennent la relève. Merci. I will never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path. I'll run the race. And I will never be the same again. And I will never be the same. Imka emona me, imka emona me, imka emona me.